Ça va Nadine? Tranquille? Ça va, tranquille, toi? Ouais. Tu crois que je te vois pas surfer sur Facebook? C'est ma chef. C'est à toi que je dois rendre des comptes? C'est à toi que je dois rendre des comptes, dis-moi, parce que j'étais pas au courant que c'était toi, ma chef. Non, mais je peux parler du travail, non? On est un binôme. Ben, si on parle du travail, parlons-en. Moi, ce matin, j'ai pris mon thé devant le vagin éclaté d'une gosse de 11 mois, d'accord? Après, j'ai vu sa mère qui était prête à se mettre une balle dans la tête parce que la gamine, elle se fait violer depuis plusieurs mois. Alors, si tu veux qu'on parle du travail, parlons-en. Moi, j'ai l'impression d'être un bon flic, de bien faire mon travail, même si je le fais pas comme toi. Alors, tu me lâches. Tu me laisses avoir des amis virtuels si je veux me détendre un petit peu avant de passer à autre chose. Oh, madame s'exprime. Madame, on a trop sur la patate. Putain, viens pas me faire chérie, je te jure, c'est pas le moment. Mais c'est jamais le moment. Pas le moment de travailler, pas le moment de papoter. Tu vas fermer ta gueule, Iris, je te jure, tu vas fermer ta gueule. Y'a que toi qui as des affaires difficiles ou je comprends pas? Non mais on est un binôme, je peux parler du travail, non? Je peux recadrer des trucs dans le cadre du travail. Mais d'où on est un binôme? Un binôme, c'est quand ça communique entre les deux, d'où ça communique? Ça communique pas! T'es sans arrêt sur mon dos, t'es sans arrêt en train de me dire ce que j'ai à faire. Ce que je dois pas faire, ce que je fais de bien, ce que je fais de pas bien. T'es sans arrêt en train de me mettre des notes, putain, viens pas me donner des leçons. Mais ben dis donc, c'est comme ça qu'on me remercie après avoir passé des heures à écouter tes doléances et tes petits problèmes avec ton petit mari. Juste, je te recadre dans le cadre du boulot, Nadine. Je trouve que t'es complètement à côté de la plaque. Je te donne pas le droit de parler de mon mec, c'est compris? À cause de toi, j'ai quitté mon mec pour un truc dont j'étais aussi responsable. Mon mec me manque, ma famille me manque, mes enfants me manquent. Toi, t'es incapable de donner de l'amour. T'es sèche! T'es sèche comme un coup de trick. Y'a aucune bite qui peut rentrer à l'intérieur de toi, t'es une merde! T'as pas l'air en pleine possession de tes moyens. Et ton mec? Ton mec, il s'est barré! Il aurait dû se barrer depuis plus longtemps. Parce que je l'ai plaint pendant des années, ton mec. Parce que tu te fais dégueuler. Tu te fais dégueuler 3 fois par jour. Tout le monde le sait. Tu crois que personne le sait? Mais tout le monde est au courant que tu te fais dégueuler. C'est fini maintenant, t'as compris? Je vais faire un rapport. Mais fais-le!